Désolé pour le son du micro de la vidéo numéro 2, j'avais comme un gros abruti oublié de brancher le micro, voilà, ce sont des choses qui arrivent, j'espère que ce sera pas trop dérangeant. À mon avis, vous allez entendre complètement de façon sourde. Ça m'étonnerait que vous puissiez entendre grand chose de cette vidéo, bah vous avez qu'à la zapper, hein. De toute façon, comme je vous dis, hein, je fais ça uniquement pour le fun et j'ai pas envie de repasser sur une vidéo, condition du direct oblige. Eh bien, ça restera comme ça et puis c'est tout. Voilà, le prochain adversaire c'est Kyoku, hein, le Marco noir hein, qu'on a vu, au détour des 8e de finale, je crois, de ce Total Eclipse. Toujours face à Gonchan, beat by 9. Attention, à partir de beat by 10, ça commence à être de plus en plus compliqué parce que les règles changent au fur et à mesure du beat by dans ce jeu-là. Oh, encore, c'est bien joué. Soba, B, cross-up. Et Light Punch, cross-up justement. Alors il y a la possibilité de se retourner dans les airs avec des persos comme Otaru en faisant saut CD. Attention, la pression là est complètement énorme. La Gonchan, il est déchaîné Gonchan. Soa, stand D, dommage il a pas feinté. Son target combo, stand D encore, pas feinté. Dommage, il a raté son pressing ici. Il aurait pu faire beaucoup plus de dégâts avec Kyoku qui sait pas où est le nord ici. Voilà, le feinté là, mais le stand B n'est pas passé en combo. Et encore un Soa, babé. Soba, c'est attention au garde crush qui est à 2 secondes de se passer. Sur ce dragon cancel, il ne choisit pas de mettre la furie. Kyoku, c'est peut-être une erreur parce que là il va lui casser la garde. Et oui, c'est immédiat et c'est un gain de match. Voilà, et ben il a très probablement pêché par orgueil Kyoku, parce que sur ce dragon break, moi j'ai envoyé le Hoshokoken des familles, je n'aurais pas attendu la moindre seconde, en plus qu'il est mort avec sa super. Ça n'a pas servi à grand chose. C'est quoi cette carotte? Amaterasu, mesdames et messieurs, est dans la place. Burn Burn, fan de Burning Knuckle. Et puis il le met dans la garde, totalement unsafe. On bourre juste derrière un power dunk. Et ça passe. Ça, si c'est pas de l'ouverture Gambi qui passe. Tellement mytho et tellement bon. Allez, balayette dans la garde, c'est just défente. Il a le temps de prendre un petit café, de se repeigner et d'envoyer ce bas gros point. Premier round pour Gonchan qui est enfin un beat by 10. Allez, Amaterasu, la pression, hein. Stena Sensei, power charge toujours. Il est magnifique, hein. Amaterasu, je défends de fou, je défends de tout. Garde cancel, encore je défends de deux Stena. Il est fou, et voilà. Un power jazzer en punition de ce cross-up. Faut pas lui faire à lui. Il connaît le match-up à la perfection, Amaterasu. Quel joueur, mais quel joueur. Oh, encore ça, run, c'est feinte. Et dommage qu'il est trop loin, hein, parce que sinon ça peut faire encore plus mal. Power dunk break. Et par contre là, il est just défente dans les airs. Il peut être contré. Bien fait sauvé. Burn, burn, burn. Ah, dommage, j'ai raté son passé. Juste derrière cet enchaînement de ses fins, de ses fins, de ses fins, de ses fins de passé. C'est, il l'a touché deux fois. Esten A qui permet ici à Amaterasu de prendre le deuxième round. Un partout entre Gonchan et Amaterasu. Ça joue bien, hein. Ça joue bougrement bien. Allez, saudé, overhead, c'est gardé par Gonchan qui est toujours dans sa barre de top. Très défensivement là pour le moment Gonchan, sous le pression, elle saut vertical. Dio, le prix bas B, counter hit s'il vous plaît. Et la furie juste derrière. Et ben ça fait mal en temps attaque. Je sais pas comment il va pouvoir revenir. Il attend la fin du réflexe pour envoyer les power wave. Il a vraiment pas le temps, ce Amaterasu. Décalage chop encore. C'est souvent que ça passe, hein. À chaque fois qu'il a tenté, c'est passé. Gonchan qui passe souvent des trucs trop. C'est, on va dire, assez inattendu quand même dans ce jeu là d'aller tenter une chop quand il y a des zéro frame qui peuvent pleuvoir à la vitesse de la lumière. Saudé, l'overhead, ça garde croche. Ah, ouais. Ah, charge, charge, charge. Il a mis les 3 hits juste après le stand A. Décalage chop, c'est rendu par Amaterasu. Stand C, il a touché deux fois. Ah, Aaron, Bappé, Bordeuk. Et c'est pas safe. Bye bye. Bye bye, Amaterasu. Beat by 11 pour ce monstre de Gonchan qui va rejouer versus symétrique. Ping-pong, Gonchan Konta. Konta qui retourne sa chance évidemment, hein, comme Amaterasu. Amaterasu qui est pas si loin de le battre. Il vient de prendre deux décalage chop et il a perdu quasiment 60% de barre. Deux décalage chop, un reflect en top attack. Akisho en counter, Akisho qui retouche. Et bah c'est terminé déjà pour le pauvre Konta. Et bien quand on voit la différence de niveau qu'il y a entre Gonchan et Konta ici, c'est quand même assez inhabituel. Encore just défense juste après.
il l'envoie dans les airs, Fury, c'est hallucinant, hallucinant, une véritable démonstration qu'il est en train de nous faire ici. Allez, Shojo Shin, ça passe bien sur Gonchan, mais il profite pas spécialement, il fait backdash à la relevée comme s'il avait peur, si vous voulez, d'un éventuel pif. Le reflect break qui est passé pour Konta, Konta qui cherche l'ouverture, qui est bien en retard pour le moment, à l'énergie, fin de Akisho, Akisho c'est just défendre, Sodé c'est dans la gare, on cherche la bonne range pour placer le reflect breaké, est-ce que ça va passer? Allez, Stand Day dans le vent, peut-être c'est le moment, Sodé just défendre, Sodé dans la gare, Babé c'est just défendre, c'est des mecs qui just défendent tout. C'est incroyable, attention à cette dive kick ici qui a whiffé, ça aurait pu terminer plus mal, et voilà, encore un run. Sten A, reflect, break, et le gain une nouvelle fois pour Gonchan. Retour de Colossus, le griffon, qu'est-ce que ça a fait mal, mais qu'est-ce que ça a fait mal, mais c'est pas possible, il va falloir le sortir là, il a beat by 12 d'animal. Vous vous rendez compte, hein, là c'est tous les psychopathes de Kyoto hein, qui s'enchaînent. Et le monsieur venant de l'école TRF eh ben, est en train de faire tourner. C'est l'école TRF, ça je vous dis, c'est comme ça. Et eh ben vu dans ce sens là, croyez-moi, l'arcade c'est rentable. Parce que si pour 50 yens tu fais beat by 12, je sais pas combien de temps il a joué, ça fait bien sa 30ème minute là qu'il joue très probablement. En tout cas, ça doit bien faire 30 bonnes minutes qu'il n'a pas levé ses fesses de son siège, Gonchan. C'est un crédit amplement rentabilisé, croyez-moi. Regardez, à 30 minutes le crédit, hein, 50 yens. Sachant qu'il faut 120 crédits pour faire un jeu. Je sais pas si vous vous rendez compte. Un yen, ça nous fait quoi? Un yen, ça va nous faire une heure de jeu. Non, 100 yens, ça va nous faire une heure de jeu. Et pour arriver à quelque chose comme 60 euros, 60 euros, c'est quelque chose comme 6000 yens. Eh ben, les mecs, ils ont de quoi quand même jouer 60 heures de jeu. Oh bien, jouer ce titre trop à Stendé. Et le 360 qui est passé. Allez, Sodé encore. La pression mis par Colossus ici. Le backdash qui n'évite pas malheureusement ce Akisho lent. Et ça rebondit, ça rebondit. Et le Just Defend Guard Cancel. Le 360 passe dans le vent. Il est bien en difficulté. Colossus 720. Le 720 qui n'est pas passé. Voilà Gonchan qui continue son petit bonhomme de chemin. Bon, un petit bonhomme de chemin, petit bonhomme de chemin. Il faut que ça s'arrête, il faut que ça cesse maintenant ces histoires. On peut pas laisser Gonchan dérouler tout Kyoto là. Il y a quand même un minimum, il y a quand même, je sais pas, une fierté pour tous les habitants de Kyoto, une fierté à défendre, hein. C'est au tour de Kyoku de défendre cette fierté. Kyoku qui a pas vraiment fait illusion, elle a essayé le backdash pour éviter le Akisho, mais Gonchan le voit, se décale bien, bien joué over avec Dragon Break et Koken, avec Dragon Break dans Just Defense, il prend un saut bas à B, le cross-up bien vu, double dragon, c'est un Shoryu Repa façon Marco Sama. Attention à ce Bassé qui a pas été confirmé. Dive qui just défend, c'est pas passé. Il se passe quoi là? Il se passe quoi? C'est quoi ce match? C'est n'importe quoi. Revoyons l'action magnétoscope. J'ai rien calé de ce qui s'est passé. Il y a eu un charge kick. Il a envoyé le charge kick. Juste derrière le charge kick, il fait just défend, Gare cancel à Osho Koken. Et dans le Gare cancel à Osho Koken, et pas Gonchan pour la zéro frame qui traverse Osho Koken et qui passe. C'est fou, complètement fou ce qui vient de se passer. Avec target combo bassé, Akisho, saut des cœurs passé et il est en avance à énergie. Run cross down, reflect break et décalage. Et mouline les caravans plus vite que la lumière, cet homme. C'est incroyable. Faut savoir quand même qu'il mouline pas vraiment les caravans plus vite que la vitesse de la lumière. Il y a les memory move hein, qui sont très importants, je dis qu'ils durent bien un tiers de seconde. Donc tu peux faire deux quarts avant, maintenir avant, faire un pas, appuyer sur le bouton. Et la Fury se lance et c'est ce qu'ici fait très très bien Gonchan. Un timing qui quand même demande d'être précis pour ne pas perdre sa manipulation. Et il y a tout un tas comme ça de notions de temps dans Mark of the Wolf. Où vous pouvez garder des manipulations finalement un temps quand même assez abusé. Et c'est souvent, hein, vous pouvez essayer par exemple... Avec Terry, vous faites caravant, vous faites rien, vous appuyez sur point. Et essayez d'estimer à partir de quand, lorsque vous appuyez sur point après ce gare avant, eh bien, le power wave se sort. Vous allez voir que c'est quand même très, très, très long. Et bah, Gonchan qui déroule sur toute la vie, qui nous a offert encore une fois un magnifique spectacle face à Kyoku.